Et après avoir vérifié que je n'ai rien oublié comme objet planqué dans cette route, et finalement je n'avais rien oublié à part un seul objet que je vous ai montré dans une séquence rapide de 10 secondes, on va pouvoir entrer enfin dans cette maison pour faire une quête secondaire qui ne peut se faire que de nuit, donc j'ai dû attendre un petit peu que la nuit tombe. Une petite quête secondaire bien sympathique. Femme, oh, tu es dresseur, non? Es-tu intéressé par les mystères? J'ai justement besoin de dresseur pour m'aider. Allez, oui, bien sûr, quête secondaire acceptée. Avec la musique qui va avec. Je m'appelle Ripley, mon grand-père est le propriétaire de tous ces champs que tu peux voir, mais il est parti en voyage et il m'a laissé seul pour m'occuper de la ferme. Dernièrement, il s'est passé de choses plutôt étranges. Je tombe de sommeil la nuit et à mon réveil, lorsque je sors pour vérifier le champ, la moitié des cultures sont dévastées. Du coup, la productivité chute et les habitants de Tondor sont affamés, c'est la famine. Et ce n'est pas parce que c'est la seule ferme de tout Tondor. Et ce n'est pas tout, car quand on regarde au-dessus, des tas de formes et des motifs étranges. Je ne comprends pas ce qui se trame ici, mais je pense que ce sont des extraterrestres. Panique à bord. J'ai essayé de rester éveillé et de les prendre sur le fait, mais c'est plus fort que moi, je finis toujours par m'assoupir. Je sais qu'il y a quelque chose, mais quoi qu'il en soit, ça se déplace bien trop vite pour que ça obtienne une preuve évidente. Appareil photo. Voilà pourquoi la raison pour laquelle je fais appel à toi. J'aimerais que tu te faufiles discrètement dans les champs et que tu trouves la cause de tout ça. C'est ta mission impossible. Musique, jingle, mission impossible. Je vois toujours une forme brillante de l'autre côté du lac. Donc ça serait peut-être de là qu'ils proviennent. Fais attention à ce qu'ils ne t'aperçoivent pas. Voilà, c'est une quête secondaire qu'on ne peut faire que maintenant. Bon, du moins avant le quatrième badge. Parce qu'une fois que on aura le quatrième badge, il y a un script qui s'enclenche et on ne pourra pas revenir ici avant de très longtemps. Donc faut la faire vraiment maintenant cette quête. Hein. Alors, le but. Il faut. Donc c'est une mission d'infiltration. Il faut pas se faire repérer par ces trucs qui bougent en l'herbe. Bien entendu, comme je vous ai parlé pour les objets planqués dans l'herbe, il peut y avoir de ces petits trucs qui bougent planqués dans les champs de blé. Et vous les voyez pas, hein, ils sont... Donc on va avancer tout doucement. Vous voyez là, en bas à gauche, deux pas en bas, deux pas en bas, deux pas à gauche, il y a un petit truc là qui clignote. Bah c'en est un qui est planqué. Alors il n'y a pas de taille... Ah putain... Alors commence. Alors vous pouvez recommencer autant de fois que vous voulez, hein. Il n'y a pas de. Alors ce qui marche, c'est qu'on vous fait repérer au même endroit. Vous pouvez recommencer autant de fois que. Oula oula, d'accord. J'ai cogné contre là. Alors le bon chemin, c'est ici. Donc si vous vous ratez, c'est pas grave. Alors, ce qui est bien, c'est quand vous faites repérer, ça immobilise celui qui vous a repéré. Alors, je sais pas si c'est volontaire ou si c'est un bug. On va tous les immobiliser. Hein. Du coup, c'est de plus en plus facile. Donc, même ici, c'est impossible de passer, vous êtes obligé d'immobiliser celui qui vous a repéré. Alors, je vérifie que j'ai bien Rouanar en premier. Objet donné. Objet, objet. Et c'est pour ça que j'ai pris le charbon. Vous allez comprendre pourquoi. On dirait que c'est leur chef. Ils sont donné des ordres. Point d'exclamation. Vous avez été repéré, mais on dirait qu'il ne fuit pas. Bah oui, il m'a foutu un point d'exclamation. Donc c'est qu'il veut un combat Pokémon. Musique radioactive. Zone 51 à apparaît. Non. C'est sujet 51 à IRA. Donc, ce Pokémon, c'est un Pokémon OVNI, extraterrestre, voilà. Alors, il a puissance cachée, et si jamais c'est une puissance cachée type O, il pourrait one-shoot. Donc, j'interroge one-shoot avec lance-flamme. Et c'est pour ça que je vais profiter de mon poste de puissance avec le charbon. Au revoir, one-shoot. Alors, pour info, vous pourrez peut-être vous dire, je peux le capturer ce Pokémon, c'est génial. Non, la Pokéball ne marchera pas pour une simple raison, et vous allez comprendre pourquoi. Ripley. Ah, voilà donc l'origine de un Pokémon OVNI extraterrestre, mais ça n'explique pas pourquoi il a attaqué. Triple point d'interrogation, c'était... Bah, c'est vraiment facile. C'est parce que je m'ennuyais. Ripley, c'est votre Pokémon. Voilà la réponse. C'est un Pokémon dressé. Il a déjà une Pokéball, donc vous ne pouvez pas capturer un Pokémon qui a déjà une Pokéball qui lui est liée. C'est... Sauf si vous avez une Snatch Ball, mais ça c'est dans Pokémon Colosseum et XD qu'on peut voir ça. Triple point d'interrogation. Pouh, tu as vécu toute une vie ici, Ripley, tu m'en connais maintenant. Sheldon. Pour info, Sheldon c'est le champion de la reine de Vinoville.
Donc voilà, ouais, il s'ennuie, donc il fait des blagues ruraux du coin, voilà. Avec ses extraterrestres. Ah, c'était pas évident, cette ville est ennuyante à mourir. Ils sont tellement contents de leur petite vie ennuyeuse de campagnard. Ils ne savent pas ce qu'est la vraie jouissance. Si je reste enfermé dans cette arène, plus longtemps je vais en crever. Mais arrête d'être champion d'arène, démissionne. Je ne trouve pas vraiment ça drôle, ton petit jeu n'amuse personne, Shildon. En plus, t'es en train d'affamer Tandor. C'est la seule ferme de toute Tandor. Et tu détruis les récoltes de cette unique ferme. Donc les citoyens de Tandor sont pas contents, du coup. Eh ben, ça vous démontre parfaitement que les habitants n'ont aucun sens de l'humour. Eh ben, désormais, je sais que t'es un dresseur pourri, tu ne pouvais pas donc vaincre Zone 51. Mais alors, c'est qui ce gamin? Anarion. Anarion, tu dois être un bon dresseur. L51 est mon Pokémon le plus fort. Donc son Pokémon le plus fort, il n'est que au niveau 35. Je ne l'ai pas encore utilisé pour vaincre des candidats dans mon arène, tu es dans le coin. Bon, en mode challenge, c'est pas son plus fort Pokémon, il a plus que niveau 35. Donc j'imagine que tu es là pour me défier. Non, je suis impatient de voir ça. S51A, fais-nous partir d'ici. Téléportation. Au revoir. Il fait tout le temps ça. Il ne cache pas qu'il déteste cette ville, mais il est coincé ici à cause de sa famille et de la reine surtout. J'aimerais surtout qu'il nous épargne tout ce cirque. En tout cas, je tiens à te remercier, je te comprends ce présent. Il a demandé à son Pokémon de commander les S51 des alentours. Tu as réussi à en capturer un, n'est-ce pas? Non. J'ai entendu dire qu'ils étaient assez rares. Si tu n'en as pas, sache que j'ai réussi à en attraper un. Mais je n'ai rien d'un dresseur. Tu ne voudrais pas le prendre avec toi? Ben oui. Donc du coup, comme c'est pas le Pokémon... premier Pokémon de la zone... Non, pas de surnom. Il ira en quarantaine. En plus, c'est un extraterrestre. Il peut avoir de la contamination, c'est pas... En gros, j'ai pas le droit de l'utiliser pour mon Nuzlocke. Voilà, il compte pas quand même. Il compte comme seconde rencontre de la zone. Oui, route 8. Donc, pas de surnom. On le mettra en quarantaine. Voilà, c'est bon. Quête terminée. Je pense qu'on a tout fait sur cette route. Maintenant, on peut se précipiter tout content. Oui. Avec un petit Pokémon sauvage qui nous interrompt. Sinon, c'est pas drôle. Allez, Rwanar attaque, pas retour, lance-flamme. Bon, allez, on va brûler le Faux-Forêve, hein. Même s'il fait du faux-folé. Vite, Vinoville! De l'Est vers Vinoville. Ah, qu'est-ce qu'il dit, lui? Dans cette partie de Rajan, les gens sont très religieux. S'il te plaît, sois tolérant vis-à-vis des croyances des autres. On vénère Arsos. Vinoville! Oui! Un paradis nostalgique. Voilà, nous sommes arrivés à la ville de Vinoville. J'ai vécu à Vinoville toute ma vie, tout comme mes parents et leurs parents avant eux. Ouais, bon. Cherchons le centre Pokémon. On va visiter la ville, là, c'est assez rapide. Tu veux prendre des cours de chant, laisse-moi écouter ta voix. Allez, ne sois pas timide. Hein, tu m'entends, non? Bon. J'attends la campagne, cela signifie que je peux être ville et en accord avec la nature, tout ça, c'est bien. Vinoville. Allez, on visite la ville. Attendant, il y a deux Pokémon moutons qui peuvent être tendus pour la laine. Wattwatt et Omouton. En revanche, les Omoutons sont beaucoup plus collés et difficiles à dresser. Bah oui, c'est des moutons noirs. Oh, un objet. Lait de coco. Je joue à cache-cache avec ma soeur. Maintenant, c'est à mon tour de la chercher. Si je te donne une baie, tu m'aides à trouver. Intéressant. Ah, un objet. Blabla de dos. Allez, Vinoville est très connu pour son pain et son vin. Oui, parce qu'il y a vin dans la vin en ville. L'amour de la terre. Une vie sans Pokémon se révèle, les dieux ont créé les hommes et les Pokémon pour qu'ils travaillent ensemble. Merci pour la baie. Il y a des vergers, il y a des pommiers, il y a des vignes. Tu viens de mesurer en champion, ils se servent de résistants Pokémon acier. Du coup, je sais pas si on peut pêcher. Attends, je vais vérifier. Sac. Objet rare. Oui, on peut pêcher. Je sais ce que je voulais vérifier. Champion de Vinoville, Shieldon de Technowiz. Juste pour cœur, par curiosité. Anario, quel plaisir de te voir, Vinoville. Shieldon est champion de cette arène. Il utilise ses types acier et la technologie. J'aime pas la technologie. C'est franchement déplacé parmi ces charmantes campagnes. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'un Pokémon old school, enfin dans une époque antique, sans technologie, donc ça serait génial. Ce qui sera le cas de Pokémon Sacred Phoenix, mon projet de fangame.
Oui, bonne vieille époque. Personne n'a jamais osé faire un Pokémon dans une époque reculée, hein. Merci. Merci, sponsor. Ah, pas de Volvic. Ok, bon. Je passais le coucou à la reine. Ouh, une église. Veux-tu aller à un serment de l'église? Le père est très bienveillant pour ceux qui veulent apprendre. Hebdomadaire, information sur mise sur place. Il manque un morceau, là. Alors, il y a une... Alors, regardez bien. Il y a une croix de Jésus dans une église du Pokéworld. Vous imaginez? On honore Jésus-Christ dans le Pokéworld. Il n'y a pas comme une erreur, là. Oh, un objet. Super bonbon. C'est super. On... L'église, on la visitera au prochain épisode parce que il y a beaucoup de blabla à écouter là-bas. Ok. Ah, c'est elle qui joue à cache-cache là. Hihi, tu m'as trouvé, je joue à cache-cache avec mon frère. Ne dis pas que je suis là. Ok, donc je te donne une bêche, donc chute. Eh ben, ils sont généreux au moins, les gens dans cette ville. Une partie de la valeur d'une CT est déterminée par le nombre de Pokémon qui sont capables de la prendre. De CT telles que retour, reflet, puissance cachée, toxique, protection, attraction peuvent être apprises par beaucoup de Pokémon. De la puissance de l'attaque aussi. Hein. Tiens, on va faire les courses. Alors, les gens à Vinoville voudraient faire plutôt pousser leur propre nourriture plutôt que l'attacher à un magasin. C'est la raison pour laquelle cet endroit n'a pas beaucoup de clients. Les baies, c'est vrai que c'est beaucoup moins cher et ça, c'est aussi efficace que les objets modernes de la médecine moderne. C'est pour ça que dans les époques antiques, bah, il n'y avait pas besoin d'hyper potions, d'antipara, tout ça. Vous voyez, je donne des baies à des Pokémon, ça fait un antipara. Une béprine, ça vaut un total soin. Un lémeumeu, c'est mieux qu'une super potion. Attends, est-ce qu'il y a une promotion d'ailleurs? Non. Alors qu'est-ce que tu as me vendre, toi? Je commence à être riche quand même. Bon, ils sont clodo. Alors, ça c'est fait. C'est la volonté des dieux de Tandor. Ah bah je pense qu'on a parlé à tout le monde. Est-ce qu'on est rentré dans toutes les maisons? À part l'église bien sûr. Ok bon. Donc il n'y a que ça. Baroud d'honneur vite fait. Pas d'entrée ici. L'église est là. Je suis rentré là. Oui c'est là où ils étaient c'était. Le truc est là. Donc il ne reste plus que le centre Pokémon. Allez. On a terminé la visite de la ville, sauf de l'église et de la reine, mais ça sera pour le prochain épisode. Allez, en parlant d'un PNJ. Je suis en planque, mais... T'inquiète pas, t'auras bientôt de l'action, toi. Donc, Cubain, allez, on se nous Pokémon, notre épisode donc va s'arrêter là. Demain, on se fera, on écoutera le ce que le prêtre a à nous dire dans l'église, ainsi que la reine. J'ai même pas besoin de blanc, j'ai même pas besoin de green, en fait, hein. Je suis déjà niveau 41, ça doit être largement suffisant, vu comment j'ai roulé sur la précédente arène. Donc, on va s'arrêter là, on sauvegarde, et on se retrouve demain pour de nouveaux défis dans Pokémon Uranium.